Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. C'est une voiture que je voulais vraiment vous présenter. Si pour ceux qui la connaissent, tant mieux. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant tout, n'oubliez pas un petit pouce sur la vidéo parce que beaucoup de personnes regardent la vidéo, mais pas beaucoup mettent des pouces, malheureusement. Ça soutient les créateurs, les pouces, les petits pouces et les abonnements, bien sûr. Bon, voilà. Donc, on va parler de la Golf R. Mais celle-là, c'est une série très spéciale. Elle a été créée pour l'anniversaire des 20 ans de la Golf R32. Parce que, comme vous savez tous, ou vous ne savez pas, de base, la R32 devait sortir 5000 exemplaires. Bon, mais comme il y a eu un très gros succès, ils en ont sorti 10 000. Donc voilà, je vous présente la Golf R 20 ans, en fait, hein, c'est pour les 20 ans. Donc c'est la Golf R, une série très limitée. Donc elle va sortir de mi-2022. Les dates où on peut commencer à la commander, mi-2022 à mi-2023, c'est tout. Voilà, après ça sera fini. Donc là, c'est une base de Golf 8R avec une boîte DSG, transmission 4Motion et ça bloque 2 litres TSI de 4 cylindres. Elle développe 333 chevaux. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, let's go. Voilà, donc ici. Vous voyez, donc souvenez-vous de l'été 2022, on lançait la Golf la plus puissante, donc la R32. Voilà. Avec un moteur 6 cylindres, 3 litres 2, voilà. Développant une puissance de 341 chevaux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils avaient prévu d'en faire 5000. Seulement, ils en ont vu le succès de la R32, tout le monde connaît le succès de la R32. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la R32 et apparemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont regardé. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, ils ont sorti 10 000 exemplaires, enfin exactement environ 12 000. Voilà. Donc, ils ont sorti cette voiture pour l'anniversaire des 20 ans de la R32. Voilà. Donc, ils ont mis un moteur 4 cylindres TSI, que boîte DSG et transmission intégrale 4Motion. Donc voilà, des petites infos assez utiles, après on ira voir le descriptif complet du véhicule et une petite accélération aussi, je vous promets, ça va être pas mal. Donc voilà, ici on voit, il promet des passages de rapport plus rapides. La voiture est capable de précharger son turbo et son maintien à régime constant pour déployer toute sa puissance lorsque la pédale de droite est sollicitée. Voilà, elle bénéficie d'office du pack R Performance avec les profils de conduite et des jantes en alliage 19 pouces de l'habitacle. La Golf R reçoit des éléments en carbone véritable au niveau des garnitures de porte. Une première pour une Golf, ça va être plutôt beau. On va essayer de voir un peu les photos. Voilà. Donc on voit bien. Les parties carbone, ils sont là. Oh, ça va être pas mal. Elle va être belle. Elle va être toute belle. Voilà, donc ici, on voit un peu. Ils disent qu'elle a des performances étonnantes. Parce qu'elle fait du 0 à 100 en 5 secondes 7. Ce qui est plutôt pas mal avec la boîte manuelle. Et avec la transmission DSG, 5 secondes 5. Donc, c'est normal. Voilà. 8,5 litres au 100 km. Une amélioration de 21% par rapport aux données de la R32. Après, c'est normal avec la technologie qui évolue, ils arrivent à plus faire de réglages au niveau de la consommation. Voilà. Voilà, donc ici on a le prix. Plus de 62 000 euros pour l'édition limitée. Ben, c'est normal, évidemment, parce que comme c'est une édition limité, elle va prendre de la valeur, ça va être plutôt pas mal je pense. Voilà, donc ici on va avoir une petite accélération. Bon, comme je n'ai pas trouvé l'accélération sur ce véhicule, je mets le modèle de base, donc la Golf 8R. Déjà vous allez avoir une petite impression et vous rajoutez 13 chevaux tout simplement. Voilà, donc légèrement plus de puissance. Voilà. Thank you.
et le malus qui va être sur ce véhicule entre 5715 et 10980. Et oui. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc c'était bien pour la Golf R, pour l'anniversaire des 20 ans de la Golf R 32. Donc c'est une base de Golf 8 R. Donc elle va sortir mi-début. Enfin, en vérité, les commandes vont démarrer de mi-2022 à mi-2023. Après, c'est fini. On n'a pas le but. Donc, si vous êtes intéressé, commencez à préparer. Parce que déjà, c'est commencé. Hein. Ça vient de commencer. Du coup, le début des commandes vient de commencer. Et elle va finir mi-2023. Donc, on va faire un petit récap vite fait. Donc, c'est un 333 chevaux. Bloc 2 litres TSI 4 cylindres. Donc c'est la base, c'est une Golf 8 R, boîte DSG, transmission 4Motion, voilà. Mais let's go, hein. Salut, et surtout n'oubliez pas un max de pouces et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et si vous avez des commentaires, des trucs, des infos que je n'aurais pas eu, laissez-les en commentaire, ça fait toujours plaisir d'améliorer encore. Allez, salut.